On avait terminé la dernière fois avec la configuration du NTP pour s'assurer que l'heure était bonne, pour s'assurer que quand on lit les logs puis qu'on essaye de déboguer, ça soit plus simple là, plutôt qu'avoir un décalage ou que les heures se suivent bien. Donc on avait fini avec le NTP. Donc là, toujours dans le principe de prise en main d'une machine qui a été fournie par une tierce partie, donc qu'on n'a pas nécessairement installée nous-mêmes. Donc on va faire la validation des tâches qui auraient pu être mises par une tierce personne pour des bonnes raisons ou autres, pour valider que la configuration. Donc, si je reprends encore le cas de OVH, eux, ce qu'ils font, c'est que dans le ETC cron, ils mettent en un RTM en fait qui va pouler la machine avec le CPU, la mémoire, l'utilisation, et ils envoient ça à leur serveur, ce qui nous permet quand on va dans l'espace client de visualiser l'utilisation de la machine, ce qui est bien ou pas bien, tout dépendant. Moi évidemment je l'enlève parce que j'ai mon propre système pour pouvoir regarder ça, donc j'ai pas besoin de l'avoir, mais ils continuent, comme vu que je continue à recevoir, à accepter les pings, ils voient quand même que ma machine a l'air, mais moi j'ai décidé que j'en avais pas besoin. Donc si on regarde, c'est encore en train de s'installer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cat de ETC crontable. Donc j'ai enlevé tout ce qui était les commentaires ainsi que les lignes vides. Et ça me donne ici la situation où tout va bien. Donc là, c'est une variable de shell. On va rouler à toutes les heures à 17. Attends, ça c'est les minutes. À toutes les heures à 17. Le cron early. Et il va rouler le anacron pour... les différentes tâches qui sont daily, weekly, monthly. Donc le anacron, en fait, ça permet que si la machine elle était éteinte, qu'il va quand même rouler une fois que la machine va revenir. Donc c'est l'avantage du anacron comparativement au crontable classique. Bien entendu, donc il y a le fichier etc crontable qu'on va faire une validation. On va aussi faire une validation à l'intérieur du répertoire etc cron. Là, ça a dû finir, non ? Donc là-dedans, il y a plusieurs répertoires. Il y a le cronD, cronDaily, cronEarly. Donc qu'est-ce que je fais en validant cette configuration? C'est que je veux voir les différents lieux où le crontable aurait pu être configuré pour essayer de trapper l'ensemble des configurations. Parce que, pas que je pense qu'ils l'ont caché, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils l'ont mis, ils l'ont peut-être mis ailleurs qui est plus propice. Imaginons qu'ils l'auraient mis... qui voudrait que ça roule à toutes les heures, ben, il aurait probablement mis un fichier à l'intérieur de ETC cron early, ce qui aurait été adéquat plutôt que de définir à l'intérieur du cron tab. Ici, tout est bon aussi. Il y a juste le air snapshot qui était lorsque j'ai fait la copie d'écran, si on peut dire, qui était défini là. Mais il n'y a rien qui a été mis en plus par une tierce partie volontairement. Si on voit... il y avait juste le backup qui est là. Donc c'est comme ça que je vais faire l'ensemble des validations de mon système. Et ce que je vais regarder surtout, c'est, parce que là on a regardé à l'intérieur de ETC, mais je vais aussi faire une validation dans var spool cron, parce qu'à l'intérieur de ce répertoire là, c'est les permissions, c'est les cron qui sont configurés pour un utilisateur spécifique. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand tu arrives sur une machine et qu'on te dit « Ah oui, ça râle toutes les heures, mais je ne sais pas d'où ça a démarré. » Généralement, je vais me connecter dessus, ce qui va me permettre de visualiser. Là, spool cron, cron tab. Bien entendu, je n'ai pas les droits, il faut que je sois root. Donc là, je n'en ai pas du tout, mais si j'avais rajouté un cron tab moins E, donc si j'en fais un pour mon utilisateur, quelle question VI ? Okay. Parfait. Donc là, c'est le fichier de crontage. Je vais juste sauvegarder, rien besoin de faire nécessairement. Et si je regarde maintenant dans var spool cron, il a créé pour l'utilisateur root. Donc même chose. Maintenant, si je fais la même commande, mais sans le sudo, je vais juste sauvegarder. Donc maintenant, en soi, j'aurai deux cron tables. Donc actuellement, il est vide. Donc il va créer pour chacun des utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant quand tu veux aller voir qu'est-ce qui roule s'il y a des tâches planifiées par utilisateur. C'est pas toujours évident. Tu n'as pas nécessairement toujours la commande de faire cron table moins U pour chacun des utilisateurs. Donc tu fais juste lister les fichiers puis tu vois qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis bien entendu, tu peux faire un cat aussi. Parce que c'est un fichier plat. Hein.
Si je fais le mien, là, comme ça, il n'y aura pas. Ouais, je n'ai pas les permissions. C'est un fichier plat. Là, donc, tu pourrais même éditer ton cran de table directement avec VI de ce fichier-là. La problématique, et pourquoi c'est vraiment suggéré d'utiliser la commande crontab-e, c'est que lui, il fait une validation syntaxique de ce que tu as mis. Donc, valider que les 5 colonnes sont bien rentrées avec la commande. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser la commande crontab que commencer à faire un VI sur le fichier directement. Mais quand il y a des bugs, ben, tu peux y aller aussi par là. Là où, quand tu veux remettre, si tu fais un backup des cron, ben, tu as juste à remettre le fichier aussi. Donc ça reste quand même une solution pratique. Parfait, on a quelques erreurs, mais c'est pas grave. Ok. Donc, moi je vous suggère toujours d'avoir un système de gestion des logs sur la machine, donc avec R6Log. Donc valider qu'il roule bien pour s'assurer que les. Parce que les applications. Bon, si on prend Apache, Nginx ou tout dépendant les applications, ils sont capables de gérer eux-mêmes leurs fichiers de log. Mais si on prend le système comme Postfix, même SSH, eux, ils vont envoyer ça au service de log de la machine qui va l'écrire dans les fichiers dans VarLog. D'ailleurs, avec les containers, avec Docker, ça devient un peu compliqué ça parce que tu vas avoir les logs, tu ne veux pas nécessairement voir le process de R6Log, ça rentre un petit peu, c'est compliqué à gérer en ce moment, là, qu'on est en train de voir comment gérer ça. Mais donc, pour un serveur, je vous dis toujours de valider que R6Log, il roule. Donc là, j'ai une machine, là, il ne roule pas, je pense que je l'ai installé. Je l'ai oublié de l'installer. J'avais juste installé... Je vais le faire pendant que syslog. Ça prend un D. Non, ça prend pas de D. Ça devrait pas être long. Mais ici, sur ma machine, je devrais l'avoir. R6log status. Sudo. Donc là, on voit qu'il roule bien. Et si on regarde à l'intérieur des fichiers de configuration. Ah oui, parce que. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais regarder les fichiers de configuration afin de voir si mes logs ne seraient pas envoyés à un serveur tierce. C'est juste pour être fier, je veux dire. Peut-être, est-ce que quelqu'un aurait configuré ça ou non? Je vais juste des spot checks pour dire, là, OVH ne le fait pas, là, mais c'est juste pour dire que faire attention à ça là, au cas où que quelqu'un vous fournit un serveur. Donc, dans cat r6log.conf ou... le 50 qui est le default. Si vous voyez quelque chose comme ça avec une adresse IP, là, peu importe le port, là, généralement c'est plus 5 à 4, là, bah, juste vérifier puis l'enlever ou le laisser tout dépendant les termes et conditions d'utilisation. Et redémarrer le service une fois la mise en place. Juste mettre un dièse devant, ça va régler le problème. Donc ce sera en commentaire. Moi, toujours bien valider que les logs sont actifs et qu'ils marchent bien. Donc, l'idéal, c'est de faire un tern-f sur le fichier de log, puis établir une connexion en SSH. Normalement, vous devriez voir password, accept, blabla. Donc, juste pour confirmer que ça passe bien. Si je le roule, hop, sudo, je vais démarrer OpenSSH, SSH start. Oui, effectivement. Start. Je vais juste vérifier qu'il roule bien. Okay. 22, parfait, il roule. Et là, j'ai pas de user, donc add bob. Point bob. Parfait. Sure. Donc maintenant, si je regarde dans var log hot, je mets l'adresse IP 2 avec Bob. Ah, ouais, il n'aime pas parce que la clé a déjà été utilisée. Mais peu importe, on voit bien que le système de log fonctionne bien. Au moins, là, à défaut d'avoir fonctionné. Hop, je vais juste mettre ça. Là, je vais juste enlever du fichier du nohost. Donc, ça, c'est l'échange de clés qui avait eu lieu ultérieurement. Mais avec les Docker, vu qu'ils réutilisent les adresses IP, ça arrive assez fréquemment.
Yes. Donc là, on va voir. J'ai rentré mon mot de passe. Enter. Et donc, on voit bien que le R6Log a bien fonctionné. Il a accepté le mot de passe pour bot. Donc là, j'ai juste vérifié que tout fonctionne bien pour avec le système de R. Et comme SSH, c'est comme les autres, beaucoup d'applications, ils utilisent syslog pour loguer. Fait que si R6Log n'avait pas roulé, ben, j'aurais pas eu d'information sur qui se serait connecté. Donc, c'est un peu comparativement à Apache où ils veulent gérer tout ça. Donc vérifier que l'heure est convenable, donc sinon revenir sur le MTP. Puis s'il y a une erreur de PAM, donc correction voilà, de notre formation. Donc l'installation d'applications vitales, ben là, je le ferai pas là, parce que ça va prendre du temps. Mais bon, Git, on l'a déjà installé, Vim évidemment, Screen, Tmux, tout dépendant de ce que vous utilisez, Netcat, donc on avait vu avec NC pour faire des tests de configuration. Telnet est optionnel en fait parce que vous pouvez utiliser Netcat, mais bon, j'ai gardé l'habitude d'utiliser Telnet, donc je le mets encore. NetTouch, wget, whois. Whois, j'aime bien pour avoir connaître à qui appartient le nom de domaine ou l'adresse IP, surtout quand je regarde mes logs. Là. Ça, c'est... j'aime bien voir. Le dernier que j'ai fait, c'est. Ça a marché ici. Whois. Je l'ai. Je ne l'ai même pas installé ici. Bon, c'est que si j'en ai pas, j'installe sur mes machines, là, pas sûr. C'est pas un requis, là. Mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était une adresse IP qui appartient à T-Mobile. Là. J'avais un problème là, sur mon serveur. Whois 72 42 0 1. Et là, il te dit c'est qui l'appartient, là. T-Mobile.com. Je suis en train de monter mon. Un nouveau serveur DNS, puis j'ai eu un petit problème avec ça. Bon, on peut voir à qui appartient l'adresse IP. Il y a quelqu'un qui essaye de se connecter de manière un peu trop récurrente. Donc rsync, sudo est supposément déjà installé, Python 3, NTP, NTP date. Là, j'ai remis ceux qu'on avait déjà mis, là. A2. Je pense que c'est un typo, ça. Ça va pas être. Donc, on va arriver sur la question de la mise en place de la sécurité. En fait, on va commencer par mettre un firewall pour comme, bloquer les nouvelles connexions. Donc, là, je pars du principe qu'à ce stade-ci, on a uniquement le port 22 d'ouvert et il va falloir mettre en place des petits systèmes de sécurité. Donc, tout le monde est d'accord qu'on va mettre un firewall pour bloquer l'entrée, donc les nouvelles connexions des personnes. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une mise en place d'un firewall en entrée et en sortie. Parce que mon serveur, mon problème de mon serveur, c'est que je ne suis pas toujours en train de regarder le serveur. Tu sais, je veux dire, il moisit un petit peu de son côté, là, puis on est comme occupé de dans sa vie. Je n'ai pas tout le temps l'occasion de regarder. Donc, et je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, avant qu'il y ait un problème qui me soit relevé, ça peut prendre du temps. Donc, ce que je fais pour m'assurer que mon serveur soit plus sécuritaire, c'est que je bloque toute communication qui rentre et toute communication qui sort. Donc, je sais à qui mon serveur il communique quand il parle à l'externe. Donc, ça, c'est comme ça que je me protège un peu plus. C'est chiant. Ça m'augmente un load average là, de travail. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, je ne rajoute pas des services à tous les jours. Puis, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc, après, je réussis à traiter mes affaires. C'est sûr que moi, mes règles de firewall, là, on le couvrira pas dans cette situation-là, mais ils sont gérés par Puppet aussi. Donc, quand j'en ai parfois besoin, j'en rajoute une à la main, puis Puppet va repasser après pour me l'enlever. Donc, exemple, parce que moi, je bloque aussi le port 80443, là. Mes machines ne peuvent pas communiquer sur Internet librement, là. C'est des adresses IP nommées, là, nominatives, là. Mais, par exemple, j'ai besoin de communiquer avec GitHub. Ben, je vais ouvrir le port de GitHub avec iptables manuellement. Puis après, je vais le laisser là. Puis moi, je vais continuer mes affaires. Puis Puppet, quand il va revenir, il va me le refermer par la suite pour s'assurer. Donc, j'ai plus besoin de me soucier à savoir ah, est-ce que je l'ai laissé, j'ai oublié d'enlever la règle ou quoi. Non, non. J'ai le système qui vient et qui fait le ménage. Mais en même temps, quand j'en ai besoin, ben, je vais me l'ouvrir sporadiquement juste pour moi, pour ma commande qui va s'en suivre. Donc, c'est l'idée. Okay. pas que je ne fais pas confiance aussi aux applications que les gens y mettent, mais tu sais, je veux dire, une erreur. Moi, j'aime ça savoir s'il y a de l'information qui est envoyée à l'externe. Je pense que
S'il y en a, je veux le savoir. Ça permet de voir de temps en temps des applications qui font comme, hey, shit. Après, tu as le script d'installation en 123, puis il envoie des informations à un serveur externe, tu sais, du serveur, là, pour des questions de log. Il y a pas mal d'applications PHP qui font ça. Hein. Tu installes, tu fais install, puis après, hop, il envoie un email ou de l'information en HTTP vers l'externe. Puis là, tu regardes tes logs de firewall. Ah, pas de chance, pas pour moi, pas cette fois-ci. Donc, c'est. Puis c'est pas, je pense pas que c'est dans une idée négative, mais tu sais, la réalité, c'est ça. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le firewall local. Je vais installer le IP Tables, qui est le firewall host base de la machine. Et je vais installer aussi le package IP Table Persistent, qui va me permettre que lors d'un reboot, il va reloader les règles de firewall. Donc, ils ne seront pas perdus. Et c'est plus facile à gérer. Et c'est ce que Puppet va utiliser aussi. Là, il l'a déjà fait, vu que je viens de faire l'installation. Juste pour montrer. Il a fait l'installation des règles dans etc IP tables rules 4. Si j'avais des règles en IPv6, ça aurait été V6. Et ça, c'est le fichier qui a été généré. Okay. Si je fais la commande IP tables moins L pour lister. Et je mets toujours le moins n pour l'avoir en numérique, parce que sinon il va faire la résolution du nom de domaine, puis je trouve que ça prend du temps. Actuellement, dans la configuration, quand tu l'installes, la policy par défaut, c'est accept. Ouais, on va faire les trois chaînes. Le input, c'est ce qui rentre dans le système. Le forward, c'est ce qui passe d'une carte à l'autre. Donc si j'avais deux cartes réseau, puis que un paquet, il rentre dans la carte A, puis il veut sortir dans la carte B, c'est le forward. Donc, c'est pour passer d'une interface à l'autre. Et le output, c'est les paquets qui sortent. Okay. Avec le policy, tu as trois possibilités. Donc, tu as le accept, tu as drop, puis reject. Pour faire simple, là, c'est cela. Le accept, il accepte. Plus difficile, là. Drop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste envoyer le paquet dans les limbes. Donc, il n'y aura pas de retour au niveau du client qui a fait la connexion. Il va juste attendre que le timeout il arrive. Alors que le reject, il va dire à l'hôte, c'est fermé ou c'est pas ouvert. Donc, lui, il va avoir un connection refuse tout de suite. Donc, c'est les trois modes là, rapidement qui sont disponibles. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça c'est ce qui a été sauvegardé. On va vouloir générer. Je vais changer le fichier de configuration IP rules pour rajouter des instructions en entrée. On va commencer par la gestion des entrées. Il ah, faut que j'ai fait un 4 avec les numéros. Modifier le fichier IP tables rules. Oh, putain. Je te viens. Excusez, je peux pas travailler sans. Ça va être long, hein. Pas le temps de prendre une gorgée de café. Donc la seule chose qu'on va laisser passer, c'est les connexions en entrée pour le port 22 uniquement. On va voir que ça va prendre un petit peu plus de lignes que ça. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que ah non, c'est vrai, en entrée, je log pas les instructions qui sont arrivées. C'est juste en sortie que je log. Parce que sinon, il y a trop de logs, c'est ce qui rentre là. À un moment donné. Si c'est pour pas le lire, ça sert à rien, je log. Quand j'en ai besoin, ben, je vais l'activer sporadiquement, là, mais sinon ça donne rien, ça rentre. Bon, peut-être les lire entre-temps. Donc, je vais ajouter, attention parce que là, ouais, juste un point,
les règles sont lues de haut en bas. Donc, dès qu'il y a un paquet qui match, ça va sortir des règles. Donc, les séquences de la mise en place des règles est importante. S'il a matché, il va sortir. Ça, c'est pour la partie du haut, c'est pour le NATing, donc le Network Address Translation, donc s'il y a des manipulations. Bon, pour le moment, on n'y touchera pas. Et ici, on va passer là juste la partie filter, donc le traitement. Hop. Je vais... Parfait. Off. Ok, donc première règle, j'accepte en entrée le protocole ICMP, j'accepte donc le protocole ICMP, pretty much les ping. Donc, pourquoi je l'ajoute, c'est que ben, c'est plus facile pour déboguer, puis c'est well, man, pumping. Puis en même temps, OVH, il sait quand mon serveur il est down, si je suis en train de faire un reboot, il m'envoie un email pour dire que le serveur est plus disponible parce qu'il est toujours capable de le pinger. Quand il n'est plus capable de pinger, il m'envoie un email. Fait que si j'ai un crash, je suis content, tu le sais. Puis je trouve pas que c'est une faille de sécurité. Après, à vous de juger selon votre situation. Donc, yes. Parce qu'il y a les risques et les dangers toujours avec ça d'être victime du ping de la mort. Ça serait possible. Je l'enlèverai quand je me ferai un ping of death là. Je suis pas assez connu pour que ça arrive là. Okay. Puis essayez pas hein. Ouais, ben je sais, non, j'imagine que je pourrais dire à OVH de plus monitorer mon serveur là. Ça serait toujours une possibilité. Après, ça m'a jamais vraiment causé de problème de l'avoir. Puis c'est vrai que je préfère déboguer. Au pire des cas, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre un système en plus qui permettrait que s'il y a trop de ping, de bloquer une adresse IP s'il y a un fichier. Là. Mais quoi, un ping of death, c'est quand un genre de botnet. Ouais, c'est ça, comme un DDoS, là, mais avec le protocole ICMP. Là. Ok. Comme je dis, quand ça arrivera, on avisera. Là. Quand je suis pas assez gros pour ça. Là. C'est toujours l'idée, c'est ok, si j'enlève le ping, puis quand je veux débugger, versus ah, je le laisse, puis genre j'ai un risque, on peut dire là. Tu sais, quand je fais le ratio, je me dis bah c'est même plus facile quand je débug de l'avoir le ping. Donc, après, on verra quand le problème arrivera, à ce moment-là, on le changera peut-être à drop. Mais pour le moment, je vais le laisser là. J'autorise aussi quand ça vient de l'interface, donc input interface, hello, donc localhost, parce que je veux bloquer les communications, mais tu sais, si ça vient du 127.0.0.1, j'ai pas envie qu'il y ait des restrictions de règles de firewall, là. C'est de lui-même à lui-même, là. Donc j'ai pas besoin de me protéger de moi-même, not yet. Donc c'est pour ça, et ici vous voyez, il n'y a pas de -p, donc il n'y a pas de protocole de spécifier. Donc, j'autorise n'importe quel protocole, UDP, TCP, n'importe quel port. Là. Mais de toute manière, c'est juste depuis mon interface locale. Ici, donc là, c'est souvent là qu'on va se faire baiser, qu'on va faire un oubli. Ce que je permets, c'est que la restriction des communications se fait juste sur les nouvelles connexions qui arrivent. Donc, si je regarde un peu plus en dessous, ici, vous voyez, j'accepte pour le port 22, donc on voit, moi j'y accepte, les communications donc pour faire une connexion SSH. En fait, ce qui va se passer, c'est que le premier paquet, quand il va passer, ça va être en destination du port 22, ça va être accepté. Mais après, les autres paquets qui sont tagués comme established ou related, donc tagués par ma machine, donc pas tagué par une autre machine, eux, ils vont être directement acceptés. Vous voyez? Donc, c'est la première connexion d'initialisation. Donc, le SYN que je permets vers le port 22, mais après, les autres connexions, quand il y a eu tree and shake, ils vont passer à l'intérieur de cette règle ici. Pourquoi je fais ça?
Parce que bon, pour le port 22, c'est pas trop mal parce qu'il va continuer à communiquer sur le port 22. Mais tu sais, il y a des négociations de port qui vont se faire avec le client. Donc c'est possible que il établit le port 22, puis après il change de port avec le serveur. Donc ça me permet d'avoir un establish de la connexion et que ça soit plus performant. Parce que là, j'ai juste le port 22, mais si j'avais une trolley de ports qui s'en suivrait plus bas, ben, il faudrait qu'il traverse l'ensemble des règles de firewall avant de dire OK, c'est bon, il peut passer. Donc là, vu que c'est déjà la troisième, hop, ça va passer plus rapidement, puis il va être accepté au lieu de revalider l'ensemble des règles de firewall. Oui? Et probablement ça sort de scope, mais parce que les tableaux, la table de cache pour reconnaître si ça provient d'une connexion établie, Ouais. a une duration de Je combien, sais plus comme c'est ça. où la cache, etc. Je sais rien de ça et je suis curieux comment Faut regarder ça plus en travaille détail. en arrière. Ouais, comment le stateful, là, comment la table de cache des connexions déjà établies là. Faut regarder, c'est vraiment au niveau du kernel. Rapidement, là, je le sais pas par cœur. Là. Je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps, c'est pour un kernel 2.4, là, on Et est c'est un en train. épithète hier ça ou c'est à plus bas niveau? Le kernel base. Le iptable va renseigner le kernel qui lui va le stocker et après iptable le récupère. Mais tu devrais pouvoir l'avoir dans slash 6 ou slash proc. Là. Probablement slash 6 plus maintenant vu qu'on est quand même en 3 là. En 2.4 c'était dans slash proc là, mais si mes souvenirs sont exacts. Là. Mais tu peux synchroniser deux firewalls pour qu'ils soient en failover comme ça, en synchronisant cette table là, ça se fait là. Mais là j'y vais de mémoire, là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait. Donc voilà, si on continue, ici j'accepte pour le port 22, donc moins J accepte, on voit tout le temps à la fin, et à la fin ce que je fais c'est que je définis que tout ce qui n'a pas été trappé par les quatre instructions plus haut, je les drop. Donc je les drop, donc j'informe pas la personne distant que le firewall a été actif, je vais juste perdre le paquet dans les dumps. Okay. Comme ça, s'il me port scan, ça lui prendra plus de temps. Concept. Donc là, j'ai modifié le fichier rules et je vais activer les règles. Ptables reload, je présume. Maintenant, si je fais un ptables-l-n. Parfait. Donc, voilà, là, vous voyez, j'ai des commentaires. C'est ce que je l'ai fait avec Puppet. Il me rajoute les règles automatiquement, les commentaires sur les règles. Pour ça qu'on les voit. Donc ici, si on regarde, donc là, mon adresse IP, c'était 2. Je suis où là-dessus? Donc si je refais la commande 22, ça marche bien. Mais si je fais maintenant 23, ben là, ça drop les paquets. Okay. Ce qui est intéressant, excusez, si je mets l'option moins V, je peux voir les paquets qui sont rentrés, donc le nombre de chaînes et le input. On voit le paquet ici va augmenter. Il y a le nombre de connexions ici et qui ont déjà été acceptées, donc dans le flux, donc related, on ce qui va incrémenter. Ah, excusez, j'ai oublié de faire la tour de passe-passe. Là, j'étais pas inquiet parce que je suis sur la même machine, puis je suis sur Docker, là, fait que c'est sûr que j'avais accès. Mais si vous activez vos règles de firewall, puis que vous avez votre serveur distant, ben, quand tu vas l'activer, si tu as fait une erreur dans ta règle de firewall, ben, tu es là dans le cul, comme on dit, là, pour être poli, là. Ouais, mais là après, il faut que tu appelles le gars, puis dire, hey, wesh, tu peux-tu redémarrer ma machine? Puis si tu as activé les règles de firewall au démarrage, ben, t'es comme, quand il va rebooter ta box. Dans le cas d'OVH, ce qui est cool, je peux pas que je la pub pour eux autres, là, nécessairement, mais c'est qu'ils ont un network recovery, donc tu peux booter comme sur un live CD, puis là, tu peux aller faire ta shit dessus. Mais tu sais, si tu dois appeler quelqu'un, tu te sens un peu poche, d'être chié dessus.
Puis ça arrive à tout le monde. Comme tu te bloques toi-même à te connecter sur le Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, petite solution pour vous prévenir de cette situation. First, vous démarrez TMUX ou BMU ou Scrim, peu importe. En fait, l'idée, c'est que je veux avoir une session qui reste ouverte, même si moi, je me fais déconnecter. Hein, on avait vu avec Scrim, quand je me détache de mon screen, mais il continue à rouler sur le serveur, ce qui me permet de le récupérer dans la capsule que je n'ai pas encore mis en main. Mais on l'avait vu la dernière fois. Donc, je vais démarrer en screen ou en TMUX ou en BioBu, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que j'ai écrit mes règles de firewall et je vais exécuter cette commande. Ah. Bon, presque, presque. Je vais l'avoir. C'est tellement secret que je vais plus vite. Ok, parfait. Là, ça va marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, je suis dans mon screen. Okay? Donc là, je ne l'ai pas installé, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo reload et paluette. Donc, si la première commande a fonctionné, donc déjà, il va faire un sleep de 300 secondes, à peu près 5 minutes. Et après, il va faire paluette et il va flusher les règles. Okay? Résultat, j'ai démarré mes règles de firewall. Là, si je ne me suis pas fait déconnecter et tout va bien, je peux même tester, valider que ma session fonctionne encore. Idéalement, tu établis une autre connexion SSH à côté pour valider que le port 22, les nouvelles connexions fonctionnent bien. Puis si ça ne marche pas, ben il va juste attendre 5 minutes pour te maudire et te flageller un peu. Puis après, tes règles de firewall vont se flasher automatiquement et tu vas re-avoir accès à la machine. Donc, ça te permet de te protéger si tu as fait une erreur. Par défaut, sudo va te demander les passwords après 15 minutes, non? Ouais. Ben là, tu pourrais être switché en route directement pour éviter la problématique du sudo. Mais en 5 minutes, généralement, le sudo va continuer à fonctionner. Donc, c'est pas trop. Ça les flash, mais ça les efface pas. Non. Ben regarde, si tu vois. Là, j'ai la reputables, donc qu'on voit qu'il est bien actif. Si je fais le flush, hop, tu vas juste remettre tout à accept. Donc, j'ai plus de problème. Tu verras avoir accès à la machine. Pour un flasher, c'est... Ouais, reloader. Là, il va relire mon fichier de configuration, donc il va remettre mes réponses. Donc ça, c'est très pratique. Là, on fait l'exemple avec le IP tables, mais ça marche avec n'importe quoi. Le concept reste le même là, quand tu as un risque de chier dessus. Bon. Ouais. Donc. Donc, ouais, c'est ça. Comme je disais, le related établi, généralement, c'est là que les personnes ils oublient de la mettre. Puis c'est là-dessus que. Parce que ouvrir le port 22, quand tu écris tes règles, c'est assez rare que tu vas l'oublier. Mais le established related, c'est le truc que tu vas oublier, puis qui va faire en sorte que tu n'auras plus accès à la machine. Donc, ça, c'est un classique. On va le voir dans le output. Quelle heure il est? 43. On va faire ça vite. Je vais maintenant rajouter mes règles, mais cette fois-ci en sortie. Là, j'ai fait du ménage parce qu'il y en a quand même pas mal plus sans ma machine. Mais... Hop. Ici, je rajoute là le output. Ah, cool. Cette fois-ci, j'ai pas mis le numéro de ligne. Il n'y en a pas beaucoup, man. J'ai fait le ménage là-dessus. Insert. Ok. Bon, je vais juste passer très très rapidement dessus là. Donc, cette NU. Ouais, ça facilite pas la vision, mais c'est pas grave. Donc, ligne 19, je permets de faire les pings vers l'externe. J'ai autant qu'à avoir autorisé à l'interne, je le fais vers l'externe aussi. Pareil pour les communications. Vous voyez ici la différence, moins O au lieu de moins I, parce que là, c'est l'interface de sortie. Donc, en LO, j'autorise tout et n'importe quoi parce que c'est moi-même. On retrouve encore la règle du Establish Related qui doit être aussi présent à partir du moment où je fais du filtrage. Et
Après, j'ai bon, le NTP qui est configuré ici, donc qui est les adresses IP pour ca.pool.ntp.org. Donc, je vais enlever le... pas vraiment mieux, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai l'adresse IP, donc on voit c'est un slash 32, donc 192, machin. Parce que la problématique de IP table, c'est que, ben, en tout cas, c'est pas mal tous les firewalls qui sont comme ça, c'est que je pourrais mettre une adresse, un hostname ici, mais il va le résoudre quand il va charger la règle. Fait qu'il va pas se mettre à jour automatiquement. Donc si je prends le cas de... ca.pool.ntp.org, si je fais un dig là-dessus, ben j'ai les quatre adresses IP qui sont là. Fait que je peux pas juste mettre ca.pool machin, parce que quand il va faire ça, il va résoudre, il va faire une résolution avec une des adresses IP, puis après les autres ils seront pas dedans, donc je vais avoir des connection refuse en sortie quand il va essayer de communiquer. Donc ça c'est un problème. Et en sortie on doit laisser comme presque la première règle, contacter le DNS, parce que sinon il ne peut pas la résoudre dans la règle du Ouais, exactement. Si, bah là, je les ai mis plus loin, j'ai moi. J'ai eu des problèmes avec ça à cause de que le DNS, la règle qui fait la résolution. Le DNS n'était pas. Ouais, effectivement. Moi, j'ai un cache aussi qui se fait là, mais ouais, effectivement, t'es mieux de le mettre les DNS en premier. Ouais, ça serait mieux que je remonte ces deux règles là un petit peu plus haut. Bah, là, j'ai les 127.0.0.1. Parce que moi, mes règles sont auto-générées aussi par Puppet là. Fait que là, il les rajoute aussi tout seul là. Mais, donc là, c'est pareil. Donc là, c'est pour ça que j'ai les 127 parce que c'est un des DNS. Mais on voit, j'ai les autres DNS qui sont présents. Pour les DNS, je mets TCP et UDP parce que normalement, le protocole DNS qu'il fait, c'est qu'il fait du UDP pour faire des requêtes. Mais si la taille des paquets de la requête est plus volumineux, donc exemple, s'il va faire des recherches pour les DNS, pour les MX, ben là, tu sais, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être mises dans les MX pour les adresses IP du SPF contre les spams, le OpenDKIM qui te permet d'avoir une signature pour valider que ton serveur de email, c'est le bon pour le bon domaine. Donc, ça fait en fait que le UDP, le paquet, il grossit. Et ce qui fait le serveur DNS, c'est quand les requêtes sont trop grosses, il switch en TCP. Fait que, même ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai eu deux, trois fois un problème. Donc, je me suis dit, OK, arrête, Thomas, là. Laisse sortir le UDP et le TCP. De toute manière, tu les nommes tes serveurs DNS. Donc, il ne faut pas être plus... Donc, on voit, j'ai donc TCP, UDP pour l'ensemble des ports 53 qu'on parle de DNS, de OVH et celui de Google. Bien entendu, ben, il faut que je veux installer des packages. Donc, je permets le Ubuntu Security sur le port 80. Vous voyez, c'est encore juste du slash 32. Le miroir de OVH pour Beauharnois. Donc, où ça se remplit, c'est pour Google. Et, ouais, et ça, c'est à cause de Moodle. Il m'a bien fait chier. Moodle utilise le CAPTCHA de Google. Donc, pour pouvoir faire l'autorisation, j'ai dû me plier au fait de permettre sur le port 80 vers Google un nested range de ports pour que ça permette de communiquer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis référé au site Google CAPTCHA. Et là, en fait, ils te disent, fais un dig TXT netblog pour avoir toutes les adresses IP de Google parce qu'eux, ils ne garantissent pas où ça va être à l'intérieur de leur cloud. Pas le choix d'autoriser tout ça si tu veux utiliser le CAPTCHA. Fait que j'ai autorisé le CAPTCHA. Mais au moins, c'est quand même, ça reste limitatif quand même à certaines adresses IP. Donc, à un moment donné, je me sens confortable avec ça. Quand je serai tanné, ben, je l'enlèverai rendu là. Mais au moins, je sais où il communique ma machine. Tant qu'à ouvrir le port 80, là, overall, là, tu le sais. Et ce que je fais après, c'est que je log l'ensemble des communications qu'on a essayé de sortir. Okay. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en entrée, ben, c'est des personnes lambda qui essayent de me rentrer dedans.
Je m'en fous. De toute manière, je n'ai pas le temps de les regarder. Mais les communications que mon serveur essaye d'envoyer à l'externe, normalement, je les contrôle pas mal bien. Donc, j'aime ça savoir que, ah ouais, bah, y a telle application qui a essayé. Ah oui. Puis si j'ai un bug, tu sais, j'essaye d'installer quelque chose, puis que j'ai oublié d'ouvrir une règle, bah, ah, je regarde mon log. Ah putain, ok, ouais, j'ai besoin d'ouvrir ce flux-là aussi en plus. Donc, comme ça, je le sais rapidement. Je n'ai pas besoin de me casser la tête à le savoir. Idéalement, surtout avec Docker, je devrais mettre aussi cette règle, puis je l'active de temps en temps dans le forward, donc quand ça passe d'une interface à l'autre, pour aussi voir quand c'est bloqué d'une interface à l'autre, parce que j'ai bloqué ça aussi sur mon serveur. Là, je ne l'ai pas couvert, mais c'est ça. Et donc, là, comme c'est lu de haut en bas, il va d'abord loguer, puis après, il va rejecter. Quand j'ai une communication que je veux qu'il bloque, je ne veux pas que ça time out. Je veux le savoir tout de suite parce que je ne veux pas que mon serveur soit ralenti. Il essaye de communiquer à l'externe, il va faire un timeout, ça va ralentir. Là, je veux le savoir tout de suite, reject, ok, c'est bon, c'est problème. Le problème, il faut que je trouve la source du problème. Ouais. Tantôt, tu disais qu'on exprime une règle des matchs et avec le log, ça marche. Le log, il continue? Ouais, le log, il va continuer, ouais. Dans la version, c'est logé où dans RSSlog? Ouais, c'est dans RSSlog. On peut le voir, regarde, sur un des messages. Je fais un telnet vers lemonde.fr, port 80. Ich. Je suis pas sûr que mon DNS va passer. Non, mais c'est la chaîne. Attends, wget? Yes, wget. Lemonde.fr, mais je suis même pas sûr qu'il va faire la résolution. Ok, donc là on voit, c'est bien parce que la résolution, il a réussi à le faire. Il a essayé de communiquer sur lemonde.fr et tout de suite, j'ai eu un connection refuse au lieu d'avoir le timeout. Si je fais un démessage, il ne l'a pas logué. Log. Il y a des problèmes, non, je n'ai rien. Log, sys.log. Oui, il va le loguer celui-là. Je vais vérifier mes règles. Donc là, il l'a bien logué. J'ai pris un. Il aurait dû mettre dans des messages. Il l'a pas mis. Ouais, je pense que dans le Docker, il aime pas ça en fait. Est-ce que c'est des messages du kernel? Je pense qu'il ne l'aime pas. Je vais vous le montrer dans un instant. Okay? C'est un... Pas trop. Ça va bien là. Voilà. Ok. On va s'arrêter là pour ça. Donc là, je vais juste faire une petite pause. Ah bah regarde, ici j'en ai un exemple. J'aurais pas besoin de me loguer sur mon serveur. C'était la prochaine étape. Hop. Ah. Donc ici, je l'ai récupéré dans des messages, j'ai fait un terme et là on le voit, les communications, donc la source, moi ça c'était mon serveur, vers les ports 53, donc des DNS qui n'étaient pas autorisés. Et on le voit aussi dans varlog, syslog, donc qui est conservé dans le fichier. C'est la même information qui est présente. Avec le protocole, la source, la destination vers le port, et pourquoi ça a été le cas. J'ai pas besoin de me bloquer. Voilà, on finit, puis comme ça on n'en parle plus, mais il n'y a pas grand chose ici. Comme toujours dans l'idée de, je mets en place un système pour... pas avoir à me soucier de mon serveur et je veux que lui m'envoie un email s'il y a une problématique. Ce que je fais, c'est que je mets en place un système de validation des fichiers. En fait, les plus connus, c'est Tripwire à l'époque, OSSSEC qui est pas mal bien aussi là. Moi, c'est ça que j'ai mis en place. Et en fait, je regardais pour Shanghai, un truc allemand là, qui avait l'air très bien, mais j'aime bien avoir un UI pour voir une visualisation là. Grosso modo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un checksum des fichiers. Donc, tu lui donnes des répertoires.
Et ben, là, si le fichier il a été modifié, donc le temps où le chat ne marche plus, il t'envoie un email pour te le signaler. Ça a l'air anodin comme ça, mais si tu as le fichier CP ou LS qui a été modifié, puis que tu n'as pas fait une mise à jour de ton OS, ben, c'est weird. Il y a peut-être quelqu'un qui a réussi à rentrer dedans. Donc en fait, c'est juste des mesures de contrôle comme ça pour t'assurer que tu n'as pas de problème, puis que tu n'es pas obligé de t'en soucier parce que tu as des systèmes mécaniques tout seuls qui vont le faire. On pourrait aussi bien le faire avec Git aussi. Je pourrais faire un Git, un repo local de slash bin, faire un Git add de tout, puis un Git statut. Puis après, je verrai les fichiers qui auraient changé dans le temps. Même si je ne vérifie pas le contenu, même si c'est des binaires, au moins lui va faire une validation. Donc ça peut être une méthode. Après, il faut juste mettre des systèmes, des mécanismes autour pour qu'il t'envoie des emails tout seul parce que tu n'iras pas à penser à aller regarder le contenu. Donc là, j'avais fait juste un petit script Python, si vous voulez le voir, qui va créer un fichier avec le résultat du chat, là. Mais c'est un peu inutile, en fait, parce que t'es mieux de trouver un système qui le fait pour toi, comme OSSSEC. Là. Je pense pas, je peux me connecter en VPN sur ma machine. Je vais vous montrer un truc après. Ici, pas public, désolé. Et sinon aussi un système de surveillance, bon, le bon vieux Nagios qui comme évolue pas depuis 15 ans, mais qui on aime à l'haïr. Shinken qui est comme nouveau joueur, qui en fait un fork de Nagios qui est fait en Python, qui est vraiment bien. C'est lui que je suis en train de, mon nouveau que je suis en train de mettre en place pour dropper Nagios. Et d'autres comme Zabbix ou ZenOSS, mais bon, moi j'ai choisi Jenkins et c'est un choix purement arbitraire. Mais c'est assez important. Et dernier point, si vous avez une, tout dépendant de votre fournisseur, validez la procédure de recouvrement avec le netboot, etc. avant que tu mettes des trucs en prod, parce qu'après, t'es coincé. Puis, si tu as un problème, puis que ton serveur est non disponible, puis que là, tu es déjà en train de stresser pour tes données et tout ça, puis que c'est là que tu testes la procédure de recouvrement, ben, tu transpires encore plus. Tandis que si tu l'as testé une fois, tu transpires déjà. Au moins, tu l'as vu, puis là, tu es déjà à un sentiment de confiance un peu plus haut que si tu attends juste le gros crash pour le tester. Là. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Donc là, la prochaine fois, on va essayer de faire la correction de l'atelier Apache. Et puis, j'ai commencé à écrire MySQL aussi. Là, avec, ça t'en revient tranquillement. Puis après, on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Bonne journée.